Bonjour, je suis Henri-Aurélien Natter, responsable recherche chez Primonial REM. Notre dernière étude, Immobilier et cycle de vie, a pour objectif de répondre à la question « Quelle stratégie d'investissement dans le nouveau parcours résidentiel ?» Nous sommes partis du constat que la vie est un cycle et que le résidentiel doit répondre aux différentes attentes de la population. Concernant le résidentiel individuel et collectif, nous avons noté deux phénomènes majeurs. Le premier, c'est le fait que les métropoles sont un rouage central de l'économie européenne en termes de création de richesses et d'emplois. Et le deuxième élément concerne les nouveaux modes de vie avec des ménages qui sont de plus en plus petits et de plus en plus nombreux. Ces deux éléments viendront alimenter la demande en logement. L'investissement résidentiel aura totalisé 280 milliards d'investissements sur la période 2010-2019. Concernant les taux de rendement, ils se positionnent aujourd'hui à 3% sur des villes prime comme Paris et Munich. Dans notre étude, nous recommandons de nous focaliser premièrement sur les marchés liquides, deuxièmement sur une zone d'emploi qualitative et troisièmement, bien évidemment, sur l'attractivité des marchés en termes de cycle de prix et de loyers.